Contrairement au couple de Wessex, Edward et Sophie qui avaient choisi que leurs enfants attendent leur majorité pour décider ou non s'ils voulaient utiliser leur titre de prince et princesse, les Sussex ont prévu l'inverse. Archie et Lilibet seront dorénavant officiellement dénommés par leurs titres royaux sauf s'ils en décident eux-mêmes autrement une fois adultes, même s'ils vivent loin de la couronne et n'ont plus de rôle officiel au sein de la famille royale. Comme le souligne le site internet australien Oni, Harry et Meghan veulent le beurre et l'argent du beurre. La décision est en effet incompréhensible du point de vue des Sussex, ceux-ci tirant le principal de leurs revenus des projets audiovisuels et littéraires basés sur le cauchemar d'être né ou d'être une pièce rapportée au sein de la famille royale. Il paraît complètement illogique de tenir à ce que leurs enfants continuent de représenter cette institution. Pour leurs détracteurs, Harry et Meghan ne devraient au contraire avoir le désir que leurs enfants s'en éloignent. Prince Harry et Meghan Markle, les 90 moments marquants de leurs 4 ans de mariage et les Sussex ne sont pas la priorité des organisateurs du couronnement s'ils ont été invités au couronnement du roi Charles III, rien ne prouve que les Sussex seront présents, même si certains s'avancent déjà. Le palais attend Harry et Meghan au couronnement, a déclaré Rebecca English du Daily Mail, ajoutant que le personnel a reçu l'ordre de planifier leur présence. Si leur venue n'est pas confirmée à 100%, ces indices laissent penser que les Sussex devraient bel et bien faire le déplacement. Mais si les parents de Lilibet et Archie décident d'assister au sacre, ils ne dicteront en aucun cas leurs règles. Harry et Meghan n'auront aucun contrôle sur la façon dont cet événement se déroulera, la firme aura un contrôle total sur la cérémonie, déclare Edition Owens, expert royal et historien à The Express, avant d'ajouter, si Harry et Meghan sont présents le jour J, ils seront des figures mineures en marge de cet événement. Point. Les Sussex sont priés de bien rester au fond de Westminster Abbey. Crédit photo, agence.